course favorite du PMU, les amis, de ce jeudi 17 mars. Donc, on commence tout de suite avec la première course. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner, à soutenir la chaîne avec PayPal. Donc, vous avez le lien en description, en haut de la chaîne YouTube et en description sous la vidéo. Ou en début de vidéo, vous avez le QR code. Donc, voilà. Allez, allons-y pour la première course. Ce sera la R3 C8 à 15h17 à Borély. Ce sera du plat sur 2000 mètres. Il y aura 14 partants. Mon favori sera le 13 Ilois qui sera monté par Orani. Mon 2 sur 4 combiné sera le 13 3 7. Mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 13, le 3, le 7 et le 4. Mon multi en 7 en champ total sera le 13, 3, 7, 4, 2 et 8. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R4 C1 à 17h02 à Lyon-la-Soie. Ce sera de l'atelier sur 2050 mètres et il y aura 14 partants. Mon favori sera le 1 Genesis Valley qui sera drivé par Gaillard. Mon 2 sur 4 combiné sera le 1 13 14. Mon couplet combiné sera le 1 13 14 3. Et mon multi en 7 en champ total sera le 1, le 13, le 14, le 3, le 7 et le 2. Donc les amis, voilà pour le pronostic PMU, Turf et Quinté Plus. Donc de ce jeudi 17 mars. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les potos, à partager et à vous abonner. Commentez, soutenez la chaîne, vraiment très important. Les finances sont très raides. Voilà, moi je vous propose mes pronos que je ferai puisque je ne joue pas au quinté. Je ne peux pas en ce moment, je n'ai pas vraiment les moyens. J'ai eu beaucoup d'achats à faire pour mon fils et j'ai dû faire des crédits. Et vraiment, je suis ici. Alors, je ne vous raconte pas avec l'essence qui est en train de monter en flèche et les produits alimentaires. Et à mon travail, alors voilà, je veux dire, on a perdu du monde à tout va. Voilà, les gens ont du mal à venir donc, et à acheter. Ça se voit et je pense que ça se voit dans beaucoup de sociétés en France. C'est compliqué et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, d'après ce qu'on a vu, il n'y a pas de compromis là-bas non plus en Ukraine. Donc ça va continuer. Donc voilà, je fais un peu en même temps d'infos. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Bonne journée à tous. Bye bye, les potos.